Jeudi 4 avril 2024, VOA Créole content entrer la CAO pour présenter un programme dans la langue créole haïtien. Moi-même, moi c'est Jacques Lebelizer, quelques grands points cap dominé actualité. Actualité internationale, président États-Unis Joe Biden, dans conversation téléphonique, mandé Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, un cessez-le-feu rapide au presto dans la région Gaza. Et force secours a continué 24 heures après tremblement de terre qui secoue Taïwan et qui la cause la mort. Et puis en Haïti, gouvernement prolongé état d'urgence là pour un mois devant Zach violence gang Améo qui va suspendre. Et c'est pour ça yo, avec l'autre encore, nous pourrons le développer pour vous dans un petit moment. Merci d'être choisi VOA Créole pour informer. Merci pour confiance. Actualité a mené nous d'abord dans la région Moyen-Orient ou bien ici Washington, côté que dans le cadre surtout de la guerre entre Israël et Hamas, il y a un président américain Joe Biden qui parlait dans le téléphone avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et dans l'occasion, leader américain mandé pour yon cessez-le-feu rapido presto dans Gaza. Sandra Lemaire dans un reportage. La Maison Blanche publiait un compte rendu conversation président Joe Biden te gagné avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu matin. D'après note li voye bay journaliste yo et nap cité, président Biden mettait accent sur le fait que attaque contre travailleurs humanitaires yo ak situation humanitaire en général dans Gaza pas acceptable. Il déclarait clairement besoin qui existait pour Israël annoncer application une série mesures concrètes, précises et mesurables pour protéger civils, empêcher souffrance humanitaire et puis sécuriser travailleurs humanitaires. Il dit clairement que évaluation nous de mesures immédiates Israël prend sous étape ça pour déterminer politique États-Unis par rapport à Gaza. Il souligne que cessez-le-feu immédiat essentiel pour améliorer situation humanitaire et puis protéger civils innocents. Et il encourage premier ministre là pour bailler négociateur lio pouvoir pour finaliser une entente sans perdre de temps pour otage Katounen Lakayo. D'un autre côté, secrétaire d'État américain Antony Blinken parlait sous frappe israélien dans le discours qui était prononcé jeudi à l'occasion 75e anniversaire de l'OTAN dans le quartier général de Bruxelles, Belgique. Now, of course, what happened after October 7th could have ended immediately if Hamas had stopped hiding behind civilians. Il dit bien entendu, ça qui t'est passé après 7 octobre-là, t'es qu'à finir immédiatement si Hamas t'est suspendu, caché derrière civils, lagué otage et puis déposé les armes. Mais Israël, pas Hamas. Israël, c'est une démocratie. Hamas, c'est une organisation terroriste. Et démocratie valorise la vie chrétienne vivant, pipis. La vie toute chrétienne vivant. Jean nous dit, moun qui sauve une vie, sauve le monde. C'est force nous et c'est ça qui fait distinction entre nous-mêmes avec terroristes. Si nous perdons respect pour la vie chrétienne vivante, pas gain aucune différence entre nous-mêmes avec terroristes. Pendant ce temps, l'armée Israël déclarait jeudi, l'école publiée, tout à l'heure comme ça, enquête li menait sous frappe qui était faite sous convoi ONG World Food Kitchen qui touillait 7 travailleurs humanitaires. Amiral Daniel Agari déclarait enquête là déroulée aux façons claires et transparentes. Il fait qu'on est aujourd'hui à nous présenter enquête nous sous incident grave côté employé World Food Kitchen qui est mort tragiquement. C'est une organisation qui consacre tête li pour faire le bien. Bay moun qui n'a besoin dans Gaza manger. Il était bay citoyen Israël manger après 7 octobre. Nous t'emmenons une enquête en détail. Qu'en plus passé 33 000 Palestiniens qui mourent dans le conflit israélo-Hamas là, qui là depuis 6 mois. Qu'en plus passé 75 600 l'autre qui blessés d'après chiffre ministère Santé publique Gaza publié jeudi. Ministère a pas fait différence entre mort civil à combattant. Non chiffre publié yo. Mais les dit femmes actimoun représentaient 2/3 non victimes yo. Sandra Lemaire, VOA Créole, Washington.
Même genre avec Washington, il y a un pile et observateur Captain pour voir qui résultat ça a bail dialogue que président Joe Biden sur gain là avec premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. N'a prêté toujours une actualité à le point de vue international. Les Nations Unies voient avertissement sous violation droit timoun cap augmenté à travers le monde. Dans une réunion dans le Conseil sécurité, il y a l'ambassadeur de pays Malta Vanessa Fraser qui dit situation dans Gaza, Soudan, Haïti, Ukraine, Afghanistan, Yémen, situation ça bayo en pile qu'est sauté Valérie Saint-Louis depuis New York. Data gathered for our forthcoming 2024 report. Virginia Gamba, représentant spécial secrétaire général des Nations Unies pour Timoun à conflit armé, t'a dit hier mercredi 3 avril là dans discours li devant Conseil sécurité à New York que Timoun à travers le monde cap vivre dans zone conflit yo, yo refusé ba yo assistance humanitaire et puis yo violé droit yo. Virginia Gamba te dit selon un rapport qui a sorti pendant l'année 2024 ça, données ont montré que gagné une augmentation choquant dans façon que refusé by Timounio accès à assistance humanitaire globalement. Il te décrit ça comme un mépris flagrant pour respect loi humanitaire internationale qui continue à augmenter. Virginia Gamba te parlé pour le dire. Refuser accès humanitaire a gagné un effet à long terme sous bien-être et développement timounio et puis il a mené dans violation droit timounio qui gagne la donne droit à la vie, éducation et droit pour joindre plus haut niveau soins santé qui ont attendre. Li souvent empêcher timounio joindre accès à espace qui en sécurité yo. Jean yo wè sa fête dans pays qui est Soudan et pays Sahel yo. Dans quelques situations, yo identifié tout refus pour accès à assistance humanitaire qui fait les groupes armés mais aux organisations criminelles arrêté convoi camion aidio ça qui retardé assistance que t'a supposé by Timounio. Sans respect de la papati qui dans conflit pour permettre accès complet sans danger et puis sans entrave pour livraison assistance humanitaire aller la vie Timounio bien-être avec développement en danger et c'est seulement écho appel nous que n'a fait passer dans salle ça li ajouté pour dire nous pas qu'à empêcher accès aide humanitaire pour Timounio. Et puis, il faut que nous renforcions capacité nous pour nous contrôler et empêcher sa fête. Nous devons continuer à travailler là. Bon côté parle, Ted Scheiben, qui est directeur exécutif adjoint Fonds Nations Unies pour Timounio dans UNICEF, t'a adressé lui-même tout conseil là. Il te fait remarque pour le dire. Yon manque accès à services humanitaires crée plus gros vulnérabilité et augmente l'autre violation sous droit Timounio. Timounio, c'est le premier monde qui souffre et c'est eux-mêmes qui pourraient porter conséquences humanitaires pendant longtemps. Parti concerné a une responsabilité légale et morale pour assurer Timounio accès à services humanitaires. Ted Scheiben, directeur exécutif adjoint Fonds Nations Unies pour Timounio, a demandé aux États membres pour renforcer et protéger droit Timounio à accès à aide humanitaire. Dans la capacité comme président Conseil sécurité pour mois avril 2024, ambassadeur Vanessa Frazier, représentant permanent pour pays Malta dans les Nations Unies, a adressé reporter après que la réunion Conseil a été finie. L'été dit. Situations in Gaza, Sudan, Haiti, Ukraine, Afghanistan and Yemen are of urgent concern. Situation en Gaza, Soudan, Haiti, Ukraine, Afghanistan ak pays Yemen bay gros inquiétude et yo besoin plus assistance en urgence. Ti moun yo manke gen accès ak manger, médicaments ak glo, ça qui la cause malnutrition ak propagation gros maladie. Et à long terme, ça prend tout des conséquences graves sur le développement et bien-être de Timounio. En sens ça, nous demandons toute partie pour respecter obligation yo en bas loi internationale. Loi internationale droit moun, loi internationale réfugié yo. Puis immédiatement, mettez fin et empêchez violation grave qu'a fait contre Timounio. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, depuis New York. Merci Valérie Saint-Louis, ou sous VOA Creole, ou à suivre un programme dans langue creole haïtien. Élection aux États-Unis dans un petit moment. Eh oui, 2024 là c'est année électorale ici aux États-Unis et puis question immigration illégale, c'est un sujet important dans élection ça yo qui fixé pour 5 novembre 2024 d'après sondage yo. Jean-Robert Philippe et Fon dit que dans question immigration Jean-Robert et t'as semblé que eh ben deux candidats yo en parlant de président Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump yo pas avec question immigration même gens et même dans campagne yo pas même approche sous question immigration.
Effectivement, j'en dis à Jacqueline, eh bien, même avant, le Parti démocrate et le Parti républicain désigné officiellement candidat qui a pour présenter dans l'élection présidentielle novembre, eh bien, ça va empêcher que le candidat pressenti, puisque il y a l'autre candidat qui est en course encore dans deux partis, excepté Joe Biden dans le camp démocrate et Donald Trump dans le camp républicain, eh bien, il y a déjà commencer campagne eux-mêmes et commencer à parler exactement de un grand point qui a devenu campagne là en parlant de immigration. Dans l'élection primaire à Wisconsin semaine ça, immigration illégale c'était un parmi sujets qui plus important pour un pile électeur tant que Scott Lederman qui c'est un contracteur. Immigration, inflation, droit pour la vie, bon, c'est trois gros questions pour moi-même. Lederman t'a voté pour candidat républicain Donald Trump dans l'élection 2020 et il dit Anessa l'a voté pour lui encore. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré dans un meeting populaire dans Wisconsin, il paraît pour le faire plus grosse quantité de déportation dans l'histoire des États-Unis pour le débarrasser pays à ça le considérer monde danger. They're sending prisoners, murderers, drug dealers, mental patients, prisonniers, assassins, marchands de drogue, monde qui a un problème mental, terroristes, puis mauvais monde a vienne joindre nous dans pays à jeune jeudi à. Yo sorti Congo, Yémen, Somalie, Syrie, tout côté sous planète là, ils ont venu pour changer et détruire pays noir. Un dernier sondage Harvard Caps Harris fait indiquer question immigration important pour électeurs américains. Yo côté plus passé, un tiers dans monde qui répond question yo mettez avant économie, crime avec soins santé. Président Joe Biden qui est candidat parti démocrate là déclaré. On my first day in office as president, I introduced a comprehensive plan to fix our immigration system. Immigrés contribuent dans l'économie américaine et yo pas animal dangereux tant que adversaire a voulu faire comprendre. Dans le premier jour madame nan comme président, moi te soumettre un plan global pour ranger système immigration, mettre sécurité sur frontière, offrir ti moun dakayo ak fami yo travailler dans ferme yo avec travail essentiel yo, yon moyen pour yo vin citoyen américain. Yo tout te aidé pendant pandémie et yo fait partie communauté a. Différence entre nous-mêmes avec Donald Trump, c'est que nous connaissons qui nous est comme Américains. Supporter Donald Trump, il a rappelé l'engagement qu'il a pris dans l'élection 2020 pour monter un mirage sur la frontière États-Unis partagée avec Mexique. S'il passait dans l'élection novembre 2024, là, eh bien, il pourra bail garantie pour le fin construire mirage ça. With your vote, I will seal the border, I will stop the invasion, I will end the carnage. Avec voix nous, ma barre frontière, ma mettre fin dans massacre là, dans la rivière sans cap couler, à assassinat yo. Cabinet raquette cap fait trafic mounio. Le tribunal d'appel États-Unis tendait mercredi 3 avril là avocat gouvernement fédéral là avec avocat État Texas sous loi qui bat État avec juge droit pour déporter immigrants que suspect comme quoi je t'entre dans État sans autorisation. Président Biden déclaré bah association magistrat américain yo gagne un plan qui gagne support deux partis dans Congrès pour améliorer sécurité sur frontière pour gagne plus juge avec agent qui responsable asile à apparaît sophistiqué pour détecter drogue. Chambre député a que républicain a contrôlé gain problème avec projet loi à cause de Donald Trump qui gain problème avec lui. Sénat que démocrate a contrôlé pas fait projet loi avancer non plus tout. Jean-Bert Philippe VOA Creole Washington. Donc c'est en pile réunion qu'a fait et campagne a fait bien que ta cou Jean-Robert sont dit là pour qu'on gagne candidat officiel mais tout porte à croire tout ces signes montrer que eh ben nous pour gagner il y a l'autre face à face entre président Joe Biden avec ancien président républicain Donald Trump. N'a pas entré dans actualité à concernant pays d'Haïti et ben gouvernement qui prolonger état d'urgence là pour yon mois devant Zak violence gang armé qui pas suspendre dans pays d'Haïti. Nous sommes sur place dans Port-au-Prince Yves Manuel. Gouvernement haïtien annoncé mercredi soir dans un communiqué li prolonger état d'urgence dans le département l'Ouest côté capitale haïtienne trouvé la partie jeudi ça et jusqu'à 3 mai cap vini là. Autorité yo décidé tout prolonger période couvre-feu sur ensemble département l'Ouest là à partir de mercredi jusqu'à 10 avril.
Mezi sa yo, yo pren nan l'idée pour rétablir l'ordre et pren divers lot mezi pour reprendre contrôle situation. C'est ça gouvernement fait konnen nan yon communiqué ki pote signati Premier ministre pou yon ti boutan Michel Patrick Boisvert. Couvre-feu a entré en vigueur à partir de 7h nan soirée pour arriver jusqu'à 6h nan matin. Mezi sa li pa valable pour agent force l'audio, pompier, ambulancier, personnel médical ak journaliste ki clairement identifié. Dans la période état d'urgence là, toute manifestation sur voie publique là interdit la journée tant que la nuit dans le département de l'Ouest là. En conséquence, la police là recevoir l'ordre pour utiliser tout moyen légal lié à disposition pour le capable faire respecter couvre-feu et arrêter tout monde qui pas respecté Mississayo. Décision ministre pour un petit bout de temps venu pendant qu'il y a diverses réunions qu'a fait pour formation conseil présidentiel transition en pays d'Haïti. Jean Caricom te promet ça dans tête collée à divers autres pays tant que États-Unis, Canada, Mexique et Brésil dans l'idée pour sortir Haïti dans situation insécurité sans pareil li trouvait là. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Toujours dans le pays d'Haïti, toujours dans le dossier politique à gagner, et supporters, fanatiques, et amis, Premier ministre Ariel Henry qui a même sorti dans le silence d'après sa correspondante dans Port-au-Prince, dis-nous, Marcia Deville. Premier ministre Ariel Henry qui quitte le pays depuis 25 février passé a pour participer dans la 46e réunion ordinaire chef l'État et gouvernement pays CARICOM. Dans le pays Guyana, avant pour le terrain, dans le pays Kenya, côté le théal finalisé avec l'autorité pays Est-Afrique là, pour déploiement d'une force multinationale. Dans date 29 février, un mouvement armé déclenché dans la capitale là pour réclamer démission gouvernement. Pendant le Porto Rico, Premier ministre Ariel Henry annoncé que le gouvernement lien a démissionné tout de suite après le conseil de transition installé. Docteur Ariel Henry a fait déclaration ça à travers une vidéo pré-enregistrée qui publiée 11 mars passé. Quelques supporters Premier ministre démissionnaire dit c'est un kidnapping qui fait sous chef gouvernement. Je ne sais pas chef d'État pays, Premier ministre pays, je dis à la, pour blanc inviter et puis pour blanc prendre main dans otage, et puis de ce conseil présidentiel qui va venir diriger le pays. Jusqu'à présent, moi-même, mais je connais avec kidnapping, nous faisons soyez là. Qui côté à peine nous kidnapper et puis faire le démission pour rappeler à l'Ukraine pour contrôler le pays. Pour que le Premier ministre pas venu la Kali, même l'État décide de faire démission. Pour venir démission la Kali. Je condamne l'international, je condamne le secteur privé, je condamne la classe politique là, qui fait un kidnapping sous PM. Même n'a réfléchi parce que les États-Unis kidnappent PM, ce n'est pas n'importe puissance qui kidnappe PM. Laisse à nous-mêmes nous pour écrire. Même gens que droit, convention que nous signons, nous fait ce que de droit, nous fait suite nécessaire pour écrire. Tout un sens nécessaire pour nous dire que son kidnapping nous fait sous PM. Nous disons Américains, tant pris, nous mettons nous dans le pion, voyez nous combien de dettes là. Nous, même en tant que jeune bataille, nous mettons ensemble pour nous, si nous sauver Haïti, si nous délibérer dans le côté de l'IA. Citoyens, ça y est, fait déclaration ça, dans le moment la police a troqué Konyo et Bandi, qui a cherché pour un contrôle périmètre par les nationales là, selon ça, nouvelle fait qu'on est. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massa de filmer pour vous voir crier. Toujours dans le cadre de réaction par rapport à la crise qui a saccagé le pays d'Haïti, il y a l'ancien Premier ministre Evans Paul qui plaidait en faveur d'une rencontre au niveau avec le pouvoir judiciaire, avec le membre du conseil présidentiel désigné, avec l'autre acteur important pour joindre une solution par rapport à la crise politique. L'ancien Premier ministre Evans Paul, tu es dans le micro et devant la caméra, correspondant à Port-au-Prince, ou dans tout ça. Premièrement, je pense que Gonti Palé qui pour faire entre les personnes directement concernées. Qui est-ce qui directement concerné? Bon gouvernement en place quand même. Il y a un monde non cité qui vous fait partie du conseil là. Et il y a un monde coup de cassation. Que monde ça réuni pour regarder au regard de la loi, de la constitution et des intérêts fondamentaux du pays, de la complexité de la situation, qui est la meilleure route pour nous prendre. Moi même pas tant comme d'adou là, m'pas partisan pour me dire m'partisan conseil, m'partisan un coup de cassation. Moi penser coup de cassation paraît plus logique. Mais soumettre coup de cassation à tout pas bon arrangement, pas tellement même au consensus ça, ou pas bon entente et puis population pas reconnaître qui la donne. Il pas pas résultat parce qu'on pas capable. Bon temps dans depuis quelques temps pour nous mettre peuple à dehors dans politique. Bon accord, si me font accord ça bon droit pour pouvoir.
accord pas bon droit pour pouvoir. Accord, c'est des gens qui entendent mieux, sont en position, mais il faut aller chercher légitimité bon côté peuple. Mm. Alors je dis à nous, une situation difficile, dramatique. Moun pa ka manger, moun pa ka dormir la caillou, moun a courir à droite, courir à gauche. Il y a une instabilité, une incertitude qui m'a donné une logique, un sentiment patriotique pour nous essayer d'apprendre un chemin qui est plus bon et qui est plus coûte là. Ancien premier ministre haïtien Evans Paul, t'es dans micro et devant caméra, correspondant nous, dans Port-au-Prince, Gouinan, tout ça. Et puis jeudi, à ce jeudi, nous gagnons rendez-vous avec Cause et Femme, avec Jude Demonstré qui lui-même pourra présenter nous un paquet de mesdames qui jouent distinction dans Floride. Célébration fête femme, pas qu'au fini, dans l'État Floride. Vendredi que se passait là, sous l'obédience Asian American Chamber of Commerce, sept femmes haïtiennes de recevoir Women's Achievement Award année 2024 lan, dans le cadre cérémonie annuelle organisation. Mounsayo, c'est Dr. Nadia Assad pour travailler dans le domaine social, Dr. Geneviève Colastin, professeur l'école, Shedley Casseus-Pantner, conseiller académique, Marie-Paul Woodson, député dans l'État Floride, Stéphanie Sius-Zamis, entrepreneur, Martine Pierre-Paul, qui c'est manager dans une banque, Jean Martin Dubuisson Sénégal, qui travaille dans le domaine finance, mais qui pas présent, les bloqué dans le pays d'Haïti à cause avion qui pas volé, l'était représenté par deux petites filles. Dans finissement soirée, nous t'ai parlé avec Jenan Saint-Fleur, qui c'est vice-présidente chambre commerce là. Nous demandons sous qui base yo choisi mesdames yo qui honoré Anessa. Ah, cette monde ça yo pour yo honoré parce que me connais moi grand pile monde qui va dire comment faire pas honoré. C'est pas Jenan qui choisit. Nous gagnons un comité dans chambre de commerçants qui assure li que li suivent travail moun. Travail que moun n'a fait pas seulement travail sur aptitude de sur ça que capable faire ou bien sur intelligence li, mais pour ça que li même li baille dans communauté qui ça que li baille dans cœur. Véra Creole, t'es parlé tout avec Stéphanie Sius Zamis qui était une dans monde qui te recevoir l'honneur respect dans soirée. Nous demandons pour te donner plus de détails sur l'activité dans la communauté. Moi, c'est directrice générale de l'IS Tropical SA, qui sont une entreprise qui en Haïti, premièrement, qui a fait des produits à base d'ingrédients haïtiens. Nous faisons confiture, nous faisons bonbons, nous faisons épices. Donc, nous avons un paquet, mesdames, bien que nous avons quelques garçons, hein? Mais nous avons à 80% femmes qui a travaillé avec nous et qui a créé des produits. Et produits, ça, yo, non seulement yo bay mesdames yo travail, yo aide famille, mais nous contribuons tout à cultivateurs yo, aide yo planter plus parce que produits yo nous prend yo nan main yo pour nous faire transformation par nous. Li gon impact sur communauté haïtienne qui aux États-Unis, qui au Canada parce que produits nous yo vinn jwenn yo et nous gen très prochainement des produits qui pral fait États-Unis et plus particulièrement, mais qui a toujours des produits haïtiens faits avec des ingrédients qui mettaient en valeur culture noire. Non, parmi divers mouns qui te viennent chita participer dans la cérémonie, Sony, t'es tombé d'accord pour bail opinion dans micro VOA Creole. Moi, venu pour me supporter parce que sans femme, nous pas qu'à vivre. Sans femme qui maman nous, sans femme qui petite nous, sans femme qui m'attend nous, que si a célébré, moi, j'ai force pour me venir là pour me supporter yo. Parce qu'il a fait ça qui est bon dans la communauté haïtienne en Floride. Nous avons signalé que la soirée a été finie en musique avec Donny Félix à la guitare, avec Gabi Kangé qui tape chanté. Non, Pam, c'est Jude Onsré pour VOA Creole dans la ville Tamarack, État Floride. La personne, babay, nous pourrions quitter diaspora, nous pourrions aller dans la ville Okaï, côté yon trentaine prisonniers, jouent libération yo, dans le cadre d'une audience spéciale, paquet Okaï, là, t'es organisé. Dans la prison civile, là, yon reportage, Jean-Ernst Eliscar. Dans une audience spéciale qui t'est déroulée dans la prison civile Okaï, paquet Okaï, libéré yon trentaine prisonniers, commissaire gouvernement Okaï, maître Ronald Richemont, fait qu'on est, situation qui a évolué chaque jour dans la capitale haïtienne, la cause responsable prison civile au Okaï, gen gros difficulté pour jeune manger pour bailler prisonniers au cap souffrir avec une série maladie. On y a là, nous, on a boumé pour boumé contre détention préventive prolongée. Et actuellement, le pays a une situation intenable. Donc, ils n'ont pas de manger. Donc, son grand boy a mangé bonjour, pas de médicaments, pas de l'eau par rapport à blocage qui est dans le pays. Nous-mêmes, en tant que commissaire gouvernement, qui a une responsabilité
première dans la prison, nous avons cherché moyen pour que nous mettions dehors tout le monde qui va gagner des infractions. Et pour infractions, c'est des infractions mineures. C'est ça qui fait que nous sommes là. Chef paquet OKA, M. Conal Richemont, a tout profité de l'occasion pour lancer appel à les commerçants dans la ville OKA pour aider à rejoindre manger avec de l'eau pour prisonniers. Le message que nous avons lancé, c'est pour les commerçants OKA ou bien la société civile, parce que nous avons des Port-au-Prince bloqués, c'est Port-au-Prince qui va manger, c'est eux qui peuvent manger, à manger ou pas pour rentrer, les médicaments pas pour rentrer, les prisonniers dans une situation vraiment difficile. Donc c'est un boy par jour, ou boy, ou green boy, par jour, et puis ce cas-là, boule farine, un green boule farine, fresse avec poids, seulement au cabaret, parce que pas qu'il mange. Donc manger pas qu'à rentrer. Donc tout le monde qui a porté, mais fort, par les prisonniers, au caillou, bon, c'est porté, parce que nous faisons tout ça capable pour que les prisonniers ne fassent pas d'évasion dans la ville de Caille, mais si les prisonniers là, tout fait au caillou de manger, fait au caillou de l'eau. Donc tout le monde qui est capable de porter mes fautes à les prisonniers qui sont en juridiction au Gaïla, dans la prison au Gaïla, donc on fait ça. Parce qu'on a porté plus de 900 prisonniers, il y a un acte qui a voué, il y a un coteau qui a voué, il y a un Gaï qui a voué, ça a été nous plusieurs, et nous souhaitons que les commerçants qui sont dans la ville au Gaï, le secteur privé, l'armée, tout le monde est capable d'aider les prisonniers aujourd'hui à la situation difficile. N'absin aller. Prison civile au CAI a plus passé 800 prisonniers, alors que prison a été faite pour 70 moun. Jean-Ernst Eliska, VOA Creole, au CAI. Et puis, un dernier reportage, un YouTuber américain, en parlant de Addison Pierre Malouf, tourné la CAI aux États-Unis hier mercredi, dans un vol spécial que les États-Unis ont organisé pour Américains qui bloquaient en Haïti. Un reportage, Gérard Maxino. Après 22 jours passés en Haïti, YouTuber américain Addison Pierre Malouf tourne mercredi 3 avril 2024 là, la CAI aux États-Unis dans un vol spécial que les États-Unis organisé pour Américains qui bloqués en Haïti. Moun te capable remarquer YouTuber qui accompagné de un policier qui t'a fait des marches dans l'aéroport au Cap-Blanc pour te quitter pays après le fin de libération dans mardi par la justice. Malouf te vient entrer dans salle embarquement et à Port-au-Cap-Blanc côté et un responsable voyage a demandé pour pas parler avec la presse ni poster en rien jusqu'à ce qu'il arrive aux États-Unis. Sous compte X li YouTube a remercié tout le monde qui aide et fait connaître ses pouvoirs réseaux sociaux qui permettent lui jeune liberté après que chef gang le mois sans jour te fin libéré. Addison Pierre Malouf est rentré au Cap Haïtien à bord d'un hélicoptère. Il est venu jouer une arrestation après plainte que le propriétaire d'une machine de loué a porté contre lui pour tête qu'il n'a pas payé la machine qu'elle a quitté Port-au-Prince après le kidnapping. Le commissaire gouvernement au Cap a été libéré après une entente avec la machine. YouTubeur, dans le micro VOA Creole, a déclaré Haïti est un bel pays, mais il regrette le fait que mauvais anguille, absale réputation. The people of Haiti are amazing. This country is beautiful. Okay, it has been ruined by gangs and corrupt politicians. That is what I have realized. I came here to see if it could be fixed by a man who is leading. Gérard Maxino, Cap Haïtien, pour VOA Creole. Et c'est avec dernier reportage ça que n'a pas été fait dans le programme là. Nous voulons dire que gagne un groupe croissance dans le pays d'Haïti qui a réalisé et dans Miami, État Floride, première édition sommet international finance dans diaspora en collaboration avec Profit Development Consulting avec cabinet Friendly Julien. Et nous, au capable suivre sous et page nous yo, yon entretien que nous te gain avec ingénieur Jean-Marie Altema qui est directeur exécutif et profiter. Merci pour attention nous, merci pour fidélité. Nous sommes plaisir l'autre fois encore pour nous et te servir. Pas oublier pic gros point cap dominé actualité international là, c'est dialogue, sa conversation téléphonique ça que président Joe Biden a gagné avec le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu côté que leader américain mandé yon cessez-le-feu rapido presto nan Gaza et pour protéger les civils qui nan Gaza. Mes amis, c'est un plaisir comme d'habitude pour nous servir. Nous remercions Sibas Zamenou, par contre qui est derrière. Moi merci gentil Augustin Junior, Jean-Marc Hervé Abela, Fred Kaimit, même si Louel travaille quand même et puis tout l'autre monde. Moi c'est Jacques Lambelizer. Bonsoir et à demain. Tête
vous comprenez? Mais qui moun ki di, je dis là, c'est au consensus qui capable retirer pays dans sa lié là selon ça vous dit. Et ça fait vous dit ouais, dans conseil transition ça, c'est la donne ouais ça relé au consensus entre acteurs politiques yo. Mais qui dit tout même, il y a un cours de cassation. C'est dans cours de cassation yo yé. Yo pas dans question et conseil CARICOM j'aurai les là, yo pralé dans cours de cassation pour permettre que juge qui régulièrement nommé pour que il capable prendre gouverner pays. Je laisse ça, il a décanté chapelle politique par rapport avec ensemble de monde qui représentait de secteur de groupe là dans le conseil transition CARICOM selon ça dit. Mais quel monde qui dit que yo même, yo dans question et conseil qui a parlé avec Philippe Ladan là. C'est pas les tendances en pile. Il y a trois gros tendances là. Il y a quelqu'un qui dit c'est l'anti Philippe Yoé. Et quel que soit Jean Léon, c'est qui Philippe Yoé pour présider le pays. Mais ça s'est monté, il faut qu'il installe Guy Philippe dans le palais national. Qui s'est passé? Ariel lui-même a fait jouer de coquet, jouer de mesdames, avec son conseil et gouvernement démissionnel. L'a fait temps passé, l'a fait plus mandat à trois. On façon comme si que pour le cas prolongé, au moins sous moi qu'il fait déjà. Yo. Ce n'est pas comme si que l'engagement ensemble de réalité ça yo li mérité pour nous questionner yo li mérité pour nous analyser yo pendant ces temps nek armé yo même qui regroupe peut-être une question vivre ensemble nek yo pas chômé nek yo pas campé dans ensemble activité ensemble de action malhonnête ensemble de action criminalité y a commerce peuple haïtien nous regarder pour ça yo nous prêt analyser yo avec Désir Venesse et puis nous invité que nous gagnons jeudi à l'émission. Désir, comment est-ce que vous faites? Nous en forme, c'est toujours grand plaisir chaque fois que nous venons partager panel ensemble. Nous venons partager information, nous venons analyser la situation qui gagne dans le pays d'Haïtien avec les amis internautes, surtout si là où c'est haïtien qui vivent tout partout à travers le monde là. Nous connaissons très bien ce qui a passé en dedans pays là et qui modèle position et comportement qui a gagné par rapport avec famille, aux amis qui toujours été à vivre dans le pays d'Haïti. Quelle situation apparaît extrêmement difficile. La police mettait à la vigilance de la population et décerné dès à tout fait qui était examen. Dans zone d'André, dans la commune Pétionville, des jeunes garçons si la route et prennent bois calé, dans la population dans la date qui était dès avril 2024. La situation ça c'est presque chaque jour. Vous attendez que la police a toqué connu avec les examio dans Airchon Mass, et bien c'est un pile coup de zam qui tout le temps a tiré côté, ensemble petit machin, ensemble monde qui gagne activité, et coutume qui qu'on a exercé sur Jean de Bassin, pas suspendre le voir, on a mis la presse, pour demander avec la police pour suspendre à battre journée en bagage lacrymogène, parce que il n'y a pas de côté pour y aller. Et bien pile dans monde ça c'est monde qui pour quitter la caillou pour exaction pour terre bandit qui examen dans niveau capital là qui a réfugié dans et zone shot basse et la police pas épargné bien pile là-dedans parfois qui blessé à balle et comme ça tout bien là-dedans gaz lacrymogène frappé pour courir aller l'hôpital conseil présidentiel qui gagne sept membres qui t'a siégé à deux observateurs fait neuf ans et ben il y a arrangé pour prêter seulement dans cour de cassation tant que gens ça te promettre pour toi avril qui se passer à mardi c'est un coup son poisson d'avril rien pas arrivé fait et en pile dans acte yo t'a prétendre est-ce conseil t'a installé et en pile dans tout a posé question si journée en li pratiquement al fini yo wè pa gen rien qui fait y a demandé qui jour qui lait qui date qui conseil ça la privé installé c'est ca monsieur dame qui fait partie structure partie petite des salines qui te dit non avec conseil yo t'a qualifié de couleuvre cette tête là et dans dernière minute qui t'a rejoint conseil et présidentiel cette tête au collège présidentiel sept membres à cadre observateur que CARICOM et acteur haïtien pour les têtes ensemble pour proposer pays a et bien il fait quoi que bail 48 heures pour au moins que conseil ça arrive installé dans tête pays a même gens avec un parti politique aidé qui gagne Claude Joseph qui a dirigé structure politique c'est là lui-même dans capable c'était 72 heures de bail pour arriver installer conseil présidentiel c'est là en plein monde réclamer comme conseil présidentiel CARICOM comme conseil présidentiel et département d'état comme conseil présidentiel communauté CARICOM non indépendant qui a passé l'ordre avec pays d'Haïti qui indépendant depuis plus passé 220 années chef gang New York qui t'a opéré dans cité Doudoun dans commune Croix-des-Bouquets blessé mortellement en bas balle la police et hier qui était mardi 2 avril qui se passé à les personnes malgré situation difficile que institution policière la connaît il y a des braves policiers qui toujours dans institution malgré gagne yo qui mal associé avec nek exam qui dans tout pays pour acheter cartouche pour acheter armes pour yo et bien gagne yo qui dit yo pas baisser les bras il a toujours été dans protéger accès vie 3 avril qui se passé là c'est dit 3 avril 2000 3 avril 2000,
2024, ça fait 24 années depuis Jean-Dominique était mort, assassiné, Nadis, son confrère journaliste, qui était travaillé pour Radio Haïti Inter, et même Jean, gagné des gardiens qui étaient pratiquement dans l'espace qui était perdu la vie, ou jusqu'à présent, par Jean-Bien qui dit, enquête là toujours, après vous suivre, nous par contre, qui joue qu'il est, à bien, et on verdict qui rentre pour dire maintenant, qui condition que Jean. Jean-Dominique est arrivé, perdit la ville, l'explication. Ensemble, pour ça, il vient soit après le fait essentielle émission pour matin, sans doute invité que nous gagnons l'hypical à la hauteur, pour essayer d'entre regarder où l'aime des bords. Allez, mener fini qu'a fait dans question conseil présidentiel, dans question proposition sortie de crise. Il y a en pile parler à fait soit dans la radio traditionnelle, ou bien dans les médias sociaux, pour questionner question ça. Pendant la demande des amis internautes, dès le commencement jusqu'à la fin, pas oublier, rete suivre émission ça jusqu'à ce qu'elle finisse. Parce que invité que nous gagnons, les gars bagaille dans coffre coffre l'estomac li et nous-mêmes nous gagne information que nous reporter pour cap utile pour permettre que nous sorti, river comprendre que nous cap sorti dans crise qui là et vous-même qui fait tomber sur channel là pas oublier abonner avec ensemble des médias ça yo Blaise Info, Point Nouvelle, mais ça nouvelle votre calbas info, c'est vous-même qui permettre que bien informer, nous pas venir faire intoxication. Nous pas venir faire rumeur, nous venir bail information, nous venir analyser, nous pas une sensation. La situation, on l'autre fois, compte à coup, même genre, avec un ami internet. Et Benel, comment est-ce que Frem? Benel, Didier? C'était moins sale. Ah, ok. Oula. Quittez-moi saluer Oblaise, quittez-moi saluer Désil Vénès. Je nous salue tout internet, je nous salue tout peuple haïtien, quel qu'on soit côté qui est dans le monde. Et son plaisir après-midi, on l'autre fois encore pour nous ensemble. Et bon moment de ça, non, qui côté nous, ou même à travers si tu vas diriger, qui côté nous y est, parce que l'aime du côté nous y est, ça va se pour me dire que, il y a des gens qui sont en cours de cassation, qui dit et en cours de cassation pour nous pour y aller, il y a des autres qui dit que, je mène un conseil présidentiel, trois membres là-dedans avec Guy Philippe, là, il y a l'autre qui dit que, il y a une question et conseil présidentiel CARICOM avec un ensemble des acteurs, mais il y a des gens qui allaient plus loin pour dire que, Jean-Christin est là, c'est un consensus et c'est un fusionnement de tout ensemble de temps dans ça, de tout ensemble de et vouloir ça yo pour nous retirer Haïti dans ça là. Ou même comme acteur politique, qui côté ou y est et qui est le support de ça yo qui passe dans le pays? Merci Blaise. Et pas oublier nous même gens, nous avons toujours dit, et nous continuons à dire le même gens, nous même c'est dans le consensus qui est. Parce que nous connaissons seulement un consensus largement large qui est capable de permettre que nous doter le pays de un gouvernement qui peut permettre que nous aller pallier question insécurité à terre, qui vous permettre que nous fassions élection dans le pays, pour nous capables de doter le pays de l'ensemble des dirigeants légitimes. Parce que je dis à Blaise, nous sommes tous d'accord. Dans ce que nous sommes là, j'en ai toujours dit, nous avons un imbroglio politique. Dans l'imbroglio politique, je dis, dans ce que nous sommes là, la constitution non seulement n'est pas de prévoir, et deuxièmement, pas de provision légale pour nous appliquer en rien là. Et quel grand soit le monde, je dis, hein, soit 57 têtes, 54 têtes, qui n'ont 10 têtes, qui n'ont 20 têtes, ça tout qui n'ont la Cour de cassation, nous disons que je dis, hein, personne n'a pas droit de imposer le monde en CEO, personne n'a pas droit pour imposer le monde quoi que ce soit, nous croyons que je dis, c'est consensus qui doit être fait pour nous retirer le pays à la situation côté l'IA. Parce que pas rien qu'à faire là qui est légal. Mais si pas rien qu'à faire qui est légal, ça veut dire l'on a imbroglio politique. Ça veut dire c'est dans le moment côté que conjoncture pas une institution qui est capable de décider selon la loi. Constitution pas une provision légale pour le combler vide qui l'a. Mais si pas rien ça, nous pas aller l'autre côté que y a un consensus qui doit être fait entre acteurs, soit politique, secteur privé, et société civile et paysans, parce que c'est là que nous devons aller. Si ce n'est pas là, nous avons toujours été dans le courir, monter, courir, descendre, nous avons toujours été dans le voie et tout, sous l'autre. Chaque grand monde a venu imposer ça, comme penser ça, comme l'idée, juste pour faire un accepter le souverain. Mais nous disons, ça, nous n'avons pas rien pour dans ce qu'a fait là, nous n'avons pas rien pour avec la loi, c'est le consensus qui doit faire. Mais pas oublier, et c'est pas joli si on a parlé de question consensus là, Benel. Parce que, moi, crois que, même acteur qui l'a, en pile nan yo, depuis les comme si nous venons tomber dans la situation après assassinat et président Jovenel Moïse dan, n'a parlé de consensus, ça veut dire, est-ce que c'est volonté de gagner pour jouer un consensus, non? Ou dis-moi, est-ce que c'est pas vrai acteur qui sous table, hein, pour nous faire consensus, non? Ou encore, est-ce que c'est une question de jeu, mesdames, qui a joué qui fait que nous jouer un consensus, non? Écoutez. Yonna bagay pour un pile moun konnen. Et les grands ensemble d'initiatives
ensemble de bagay qui a fait ici en Haïti, soit pour mettre des séries de moun sous table, parce que yon bagay qui m'a toujours rappelé avec moun yo, il y a deux façons à le sous table. C'est soit c'est communauté internationale qui a mené des débats dans un moment qui met au sous table, deux c'est gouvernement même qui met au sous table. Un, conseil international a lui-même dit qu'on qui moun, parce que c'est une question de clientélisme politique ici en Haïti. Ça veut dire qu'on a un ensemble de problèmes qui sont là, c'est comme quoi moun yo vle fort, quoi. Yo vle fort valer comme quoi moun qui mette nous dans la situation qui est là, moun qui gangsterise, ensemble de moun qui fait qui volent avenir nous-mêmes comme jeunes, qui volent avenir un paquet de générations dans le pays, yo toujours vle fort quoi que c'est moun ça qui résout le problème là. On a bon paquet de jeunes garçons avec jeunes femmes qui font politique dans le pays, qui honnête, qui crédible, qui pas dans gang, qui pas dans ensemble de malversations qui fait, qui pas dans piller l'État. Mm-hmm. Mais yo toujours vle fort quoi ministre, ou pas de directeur général, ou pas de sénateur, ou pas de sénateur, ou pas de député, comme quoi, l'on parle parole ou pas de valeur. L'on parle parole ou pas de force, c'est ça qu'il faut, ouais. Quel qu'en soit ça qu'il fait, là, ouais, c'est même volé, ok, vous pouvez mettre sous table. Mais tout autant que c'est volé, ok, après vous mettez sous table, ensemble de consensus qui t'a dû fait, ou tout quel qu'en soit projet qui t'a gagné, là, l'a toujours biaisé. L'a toujours pas de force qu'elle t'a dû gagner, parce que bon ensemble de monde nous dit qu'il y a près de 35 ou 37 l'année depuis que yon même. Il a conduit nous là, côté yon conduit nous là, ensemble de monde qui chef en d'un pays, monde qui était député, qui était sénateur, qui était ministre, qui était président, c'est yon conduit nous là. C'est pas nous. Nous, nous, tout ça que yon mandé nous. Et je dis à même barré nous, chaque l'autre, on courir à gauche au bas, on courir à droite au bas. Je dis à moi-même, moi sorti dans section communale, sorti dans première section communale Bessel. Pas de l'école Bessel, m'oblige de monter Port-au-Prince. Ça veut dire l'école là, quand moi, elle m'a quitté l'île en moyen 2. Après moyen 2, si m'on oblige de quitter section communale côté l'IA, soit par l'envoyer le local, s'il gagne mon local, soit le voyer Jérémy, s'il gagne mon Jérémy, soit le voyer le Port-au-Prince, s'il gagne mon Port-au-Prince pour le voyer, pour le venir. Après ça, pas même mon école professionnelle encore. Ça veut dire l'or vient encore, c'est goumon, vient goumon, mal goumon, vient encore, y a barreau. Tri mwen ke jodi an, ensemble de moun ki toujou sou tab, yo sou al gade conseil la, ou après presque tout nèg ki la, ou se de nèg ki te chef déjà, tout nèg ki la, ou se de nèg ki te sauté an dans parti politique, ki te gen député, ki te gen sénateur, ki te gen président, pendant 37 dernières années que nous sommes passés là, c'est même yo même, ça veut dire que c'est de clientélisme politique. Ça veut dire jodi an, bon ensemble de moun ki toujou ap di blanc, ke mpichoul, ke tchoul sa, bon servou. Ça veut dire blanc, je veux dire, ou ensemble des nègres, même qui ont velléité, même pour yot choul, ici en Haïti, pour yot servi blanc. Tête baissée. Madame, c'est désir. Très bien. Où est-ce qu'ils font avancer là pour montrer que et la relève, non, ça qui vient pour eux avec la jeunesse qui a tout le temps dit, soit 70% ou bien 80%, non, et quantité de population que le pays a gagné, mais renouvellement personnel politique, yo, soit dans le consensus ou bien dans le choix électoral, yo, yo, par exemple, aller envers la jeunesse. Selon qui ça qui cache derrière yon mode d'initiative ou bien un mode idée comme ça? Écoutez, moi-même, je ne parle pas de l'ensemble des mondes, comme si les grands ensemble des mondes qui parlent de traditionnels, ou bien ensemble des mondes qui parlent de questions de la jeunesse, nous pas aller dans la question de tranche d'âge, qui parle à nous. Et question de renouvellement qui n'a pas dans la politique là, bon ensemble de moun qui en dans pays à tout, et je dis à qui n'en cinquantaine, qui n'en soixantaine, mais qui pas fait pays à autant de tort, autant de mal que bon ensemble de moun qui fait. Ça veut dire, quel qu'on soit moun n'en pense que ou vin chef, non élection, c'est à partir de son gain comme projet. Même les qui ici dans Haïti, par exemple, gain ça, c'est une question de slogan. C'est ça qui fait que yon pas éduqué population, hein. Bon ensemble de moun ke yo pa mette l'école à la disposition pour permettre que moun sa ou même bon ensemble de bagay ke pou yo gagner. Et bien son question de slogan, pa jam moun nèg ici tu viens avec question projet. Ça veut dire nèg là c'est parce qu'elle t'a vend drogue non zone. C'est parce qu'elle te konn fait kidnapping non zone. Ta regarder réalité, les statuts que nous passons yo. Juste à regarder. C'est parce que gon nèg lui même qui konn dit plus bêtises que l'autre. C'est à partir de ça bon ensemble de moun qui vinn là, yo vinn comme président parce que là ils viennent dans pays Matéli ka président. Là ils viennent dans pays Willow Joseph ka sénateur de la République ou ou qui viennent dans le pays, ou qui les 5 à la tête de la vie. Ça dit, c'est là. C'est parce que si, parce que les gars te font vendre, ou bien les gars sont dans la bolette, ils viennent comme, ou bien les gars ont des choses qu'ils te font faire, qu'on pend dans le doom, ils prennent comme, et puis ils viennent l'argent dans l'élection. Et les ça, on attendait, parce que la majorité, c'est ceux qui font l'élection, ou on regarde comment, après l'élection finie, il y a discrédité un tel, il y a dénoncé un tel, dit un tel te vend ceci, mettant quoi bien te gagner dans un tel, mettant quoi bien te gagner dans un tel. Et si nous rappelons que l'an dernier, si ça qui s'est passé là, gagne une question de, question terrier rouge là, avec Jean qui ça, ou regardez tout ça qui dégaine avec Yolette Ngoual.
C'est là que nous y est. Parce que si nèg la pa gen kòb malgré le fait tout ça le fait en dans communauté côté li a, s'il pa gen l'argent drogue nan men pour monter dans CEP pour acheter élection, il pa ka gagner. Et après ça on va pouvoir c'est nèg qui dans secteur privé yo même qui contrôle parlement. Ben kay ensemble de nèg ici qui en dans secteur privé a connait quorum parlement pa gen quorum pour nèg yo faire séance. OK. Très bien. Si ça, ça veut dire pour même, comme jeune garçon qui décide de faire politique en dépit de tout, ou décourager, ou bien on va continuer parce que l'autre Haïti a dépendu de la jeunesse. Parce que sans doute, même les gens qui regardent comme vieux qui a fait politique comme politicien traditionnel, ils disent, mais non, c'est parce que la jeunesse n'est pas bien responsabilité, qui permet, c'est eux-mêmes qui toujours optimisent des affaires. Ou même comme jeune garçon qui a fait politique, ou parler pour changer de néo. Et moi-même personnellement me parler et bien plusieurs l'autre jeune garçon encore même genre ou même Blaise et Désil Vénès mon paquet l'autre jeune à chaque sac nan main yo nèg qui kembe micro yo moi-même comme nèg qui fait politique à l'école bon ensemble de bagarre que nous fait nous décider nous-mêmes après nous-mêmes nous rester dans pays a pour nous-mêmes Désil Vénès mon paquet l'autre nèg nous rester dans pays a mais yon bagarre qui gagne la jeunesse que n'a parlé aujourd'hui en gros seul bagarre qui offrir. Parce que je dis, c'est une bagaille qui fait que vous venez jouer ensemble des quartiers populaires aujourd'hui, vous êtes gangsterisé. Parce que vous n'avez pas de choix. Vous n'avez pas de laisser les gens ensemble de les gens pour avoir une autre opportunité avec vie. Mais vous venez vivre au côté, ensemble des gens qui viennent une responsabilité. La vie a posé une question. Eh bien, je dis, mais ça offre nous. Qui ça offre nous? Pour ensemble des gens qui, parce que ici, il y a des évaluations que vous n'avez pas fait. Il y a des pensées qui ne viennent pas dans la tête. Et il y a des diagnostics qui n'ont pas fait à partir de ça qui a passé dans le quartier populaire ou dans la zone côté qui a dit que c'est une zone de nos doigts. Parce que le bon jeune, pour dépourvu de tout ça qu'il était capable de gagner à la disposition comme monde qui t'a permis qu'elle vienne un citoyen demain dans la société. Mais c'est un bon mot à construire. Mais je dis, c'est ensemble de bombes ça, que ensemble de monde qui a construit dans le quartier populaire. C'est un cap éclaté là, dans Figuino là. Ce va cap éclater de celui de côté qui fait que je dis à son monde malade va à l'hôpital général, qui fait que son monde malade va à l'hôpital en pays à pour aller, qui fait que je dis à tout le monde qui est en pays à tout le monde qui est du fait là-dedans, c'est ensemble de bombes, ça va être pendant plusieurs années qui n'a préparé. Mais c'est eux-mêmes qui ont éclaté partout en de pays d'Haïti. L'autre dit n'a préparé en nous clair, DJ Benin, et en nous clair. Est-ce que c'est de ces citoyens, même Chavo, qui préparent les bombes, est-ce que c'est de monde qui est dans la classe politique, là, mais dans la classe économique, là, qui est-ce qui a préparé? Parce que n'a pas dans le livre à s'empile. En nous, c'est plus précis. D'accord avec Blaise, c'est ensemble de monde depuis que Haïti. Haïti qui gagne contrôle pays nan mais qui prépare ça là. C'est pas moi, c'est pas où. Mais gros groupe de monde soit dans classe politique, soit dans secteur privé, soit dans secteur droits humains, soit dans secteur tout secteur. C'est yo préparé ça là parce que yo pas bail avec jeunes ça, pas bail chance. Parce que là regardez, gros ensemble de services de base qui ont besoin, me sont d'où ça déjà là moi-même. La Kaimouen, la map qui te bestel, commune nan ligue près de 70 000 habitants pour vivre là-dedans, la commune pour te m'sortir. Le Green Lycée qui gen bestel, la te yvan 9e. Ça veut dire après moi, un destel Green Lycée pour 70 000 habitants qui vivent dans la commune, nan, 6 sections communales, li gon sel Green Lycée qui yvan 9e, li pa gon l'école professionnelle. Pa gen route, pa gen infrastructure, pa gagne. Après moi, il est obligé de quitter Pestel. Moi-même, obligé de déplacer. Au paquet, l'autre, si moi, obligé de déplacer. Ça veut dire que nous avons ensemble des citoyens. Parce que nous, toujours dit, quand un paysan, c'est petit, lui. Parce que c'est ça, il vient, il vend pour payer l'école pour petit, lui. Mais majorité, si moi, ça, il vient, pile là. Moi-même, toujours dit, et je suis capable de dire chaque jour, ça fait toujours louer. Bon Dieu, parce que sans maman, sans papa, je viens pour le reste, je réussis. Je réussis, je fais chimie, je fais informatique, je rentre à l'école, je fais science comptable. Ça veut dire qu'on paquet l'autre jeune qui vient là. Parents yo a investi dans yo, ça descend à mort à jeune parents yo. Ça descend à petit encore pour tes parents yo. Ça dit moins, les m'a gagné ça yo, pas ta faire bien go ensemble de l'autre monde encore. Ça veut dire parce que go ensemble de monde qui te prend pays là, yo fait la République de Port-au-Prince. Même là yo fait la République de Port-au-Prince, mais là rive une série des zones en dans même République que yo construit là, c'est des zones que groupe de monde qui doit vivre là-dedans, pour l'autre groupe de monde qui va doit vivre là. Parce que l'on a privé dans une chambre qui a plus passé 20 personnes là-dedans, rigole glo, tout le monde qui connaît qui est au Fabay, Maringouin, Fatra, Lagou, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de centre de sécurité, il n'y a pas de rien.
Mais c'est ça aujourd'hui qui produit là, c'est ensemble de ça, moun qui te contrôle pays nan mais moun qui te chef en dans pays là, moun qui dans secteur privé en dans pays là, yo descend en bas là, dans la saline dans sous pile fatra yo fait million, yo monte en l'air parce que chaque nèg besoin gon pi gon gon machine 4x4 en bas derrière juste pour descendre dans fatra. Mais là arrivé dans fatra, nèg là même son machine 4x4 là en bas dans fatra, mais gon team qui était allé même sous deux pieds, même sandales qu'il pas gagné dans fatra. Machin dans chita dans fatra, c'est là la manger tom tom nan. Li passe mel, li pile là toute mouchant, tout moun enjoy yo là. C'est ça yo te préparé pour nous. Et si c'est ça yo préparé pour nous, c'est ça que nous aujourd'hui a t'a éclaté dans figu nous. Très bien. En pile proposition et pratiquement a essayé fait pour retirer pays à dans situation côté là. En pile monde qualifié de proposition ou pas proposition haïtienne, c'est proposition soit l'Occident, surtout les aller dans question CARICOM qui proposait un conseil présidentiel accepte tête et des observateurs. Ou même DJ Benel comme jeune garçon capteur politique qui active, qui côté au centre ou dans coup de cassation, ou dans proposition de crise réveil, te proposé avec l'autre structure politique, ou bien ou dans proposition sortie de crise, ou bien dans conseil présidentiel, collège présidentiel, cette tête, et que CARICOM proposé avec ensemble acteur haïtien. Qui côté fixe ou même? Écoutez, nous avons déjà position par une fixe seul côté, dans consensus. Ba besoin konn ki moun ka vin menen parce que nan bagay ki gen Haiti faut d'accord que nou pa vivan otasi nou pa vivan vase clos bon ensemble de pays bon ensemble d'organismes internationaux qui capable faire médiation ka vin là comme observateur nan yon initiative qui capable pran entre acteur yo an dan pays ya. Même moi même personnellement m pa opté pour que jodi an pour une initiative ka prend pour bon ensemble de moun qui pratique à tabio voyez pas CARICOM corriger des voies pour yo côté que CARICOM a bay ensemble la politique la taille moins ensemble de ennemis politiques dans pays yo ensemble de monde que nous connait chiter ensemble ensemble de camarades politiques côté que jodien c'est CARICOM qui a corriger des voies ou qui a bay des voies de maison pour yo faire et là nous toutes nous connaît CARICOM qui sont organisation régionale et jodien Haïti c'est lui-même qui t'a doué leader CARICOM. Parce que c'est seul Haïti dans 15 pays qui dans pays qui dans qui fait partie des organisations ça qui indépendant. C'est nous mêmes qui gagne histoire. Ça veut dire c'est nous qui doué leader CARICOM et si nous avons population CARICOM là, il y a environ 18 millions d'habitants Haïti pour compte qu'on parle plus de 12 millions. Ça veut dire CARICOM en soi à travers 14 pays qu'il a dans lui, il y a quand même 6 millions d'habitants. Ça veut dire en termes de population nous doué leader lui, en termes de pays qui gagne histoire nous doué leader CARICOM mais aujourd'hui c'est malheureux. Nous-mêmes, la fin de la dirigeant politique, après plus de 37 ans politique, côté que nous rentrons dans la démocratie, ou ensemble de nous prenons pouvoir ici en Haïti,